tous, c'est Penelope. Salut tout le monde! Je suis rentrée devant la caméra. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir lancer des vidéos pendant si longtemps. Mais... Quoi? Mais qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps? J'étais occupée. J'étais occupée pendant un peu de temps. Ah bon? T'étais occupée? Bah si, c'est pas faux. En fait, j'étais justement dans une période particulière occupée que presque tous les étudiants passent, qui s'appelle Shukatsu. C'est un façon japonais pour la recherche de travail. J'ai dû participer aux cours de l'école, et travailler au petit boulot, et écrire beaucoup de CV et me rendre aux entretiens. Donc j'étais un peu occupée. Mais t'es sûre que tu n'avais aucun temps pour faire la vidéo? À vrai dire, si. Même si un peu occupée, j'aurais eu du temps pour faire la vidéo de temps en temps. Mais alors, pourquoi t'as pas mis de vidéo? C'est un peu difficile à expliquer. Mais comme j'agissais pour la recherche du travail, j'ai pensé forcément sur mon avenir. Ce que je veux faire à l'avenir, ce que je veux devenir à l'avenir. Et avec ce point de vue, j'étais pas très sûre si c'était une bonne idée de continuer à faire les vidéos. J'ai commencé à faire des vidéos quand j'habitais à Lille. Et en ce moment, le but de faire les vidéos a été premièrement pour enregistrer ma vie en France. Et après, je suis rentrée au Japon. Et le but de faire les vidéos sur YouTube a un peu changé. Mais quand même, je m'amusais bien à faire le vlog ou apprendre le japonais sur ma vidéo. Et faire la vidéo a devenu un des meilleures joies pour moi et ça m'a vraiment tressaillir. Et ça m'a fait tressaillir. Mais aussi j'étais un peu inquiète car je savais qu'il fallait faire autre chose comme lire les livres ou étudier, prendre qualification pour devenir plus intelligente et plus indépendante à l'avenir. De toute façon, je ne pense pas devenir un professionnel youtubeuse. C'est juste que je veux continuer à faire les vidéos comme un hobby. Mais j'avoue que parfois je donnais un peu trop de priorité à faire des vidéos. Donc c'est pour ça que pendant cette période, j'essayais de contenir un peu à faire des vidéos et plutôt utiliser mon temps à faire des autres choses. D'accord, mais à la fin t'es rentrée en YouTube, c'est pourquoi? D'abord, j'ai fini mon activité Shukatsu et j'ai plus de temps. Et aussi, récemment j'ai revu mes anciennes vidéos sur YouTube et ça m'a donné beaucoup d'envie de refaire les vidéos. Notamment, les vidéos de collaboration étaient graves. Je me suis rendu compte de nouveau que j'ai eu beaucoup de rencontres grâce à YouTube. J'ai eu rencontres avec des autres YouTubeurs et aussi j'ai même rencontré avec mes abonnés. Et aussi j'ai lu beaucoup de commentaires mis sur mes vidéos et ça m'a donné beaucoup de force quand j'ai vu que ce que je faisais vous a plu beaucoup. Et donc c'est pour ça que je suis rentrée à faire des vidéos ici. Et je vous remercie vraiment d'avoir attendu pendant si longtemps. Et j'espère que je peux partager beaucoup de choses avec vous dans cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions sur ce qui s'est passé pendant ces 6 mois. Ou alors, donner les idées pour les nouvelles vidéos. Et oui, je serai très contente. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bye bye.